Après Hertha Berlin, Hambourg, Anvet Budapest et Pogoń Szczecin, Hervé Chami a rejoint cette saison le cinquième club de sa jeune carrière et un quatrième championnat. Après avoir cavalé les pelouses européennes qu'il a marquées de ses empreintes pendant de longues années, le joueur de 25 ans a déposé ses valises à l'Union sportive musulmane Bepadbes en Algérie. Même si ce choix peut paraître surprenant au vu de l'énorme potentiel de l'attaquant camerounais, il n'y a nul doute que l'intérêt des dirigeants de l'USMBA a été suscité par son talent qui n'a cessé de gravir les échelons. Formé à l'académie d'Hertha Berlin avec les frères Boateng entre 2003 et 2006, Hervé Chami a été lancé dans le grand bain à l'âge de 18 ans à Hambourg, où il est devenu l'un des plus jeunes joueurs étrangers à débuté en Bundesliga et a marqué. Après 4 saisons, il mettait le cap sur la Hongrie pour s'illustrer dans les rangs de Honvéd Budapest comme une pépite. En effet, lorsqu'on ressasse son passage en Hongrie, on a encore en mémoire quelques chefs-d'œuvre à l'instar du but le plus rapide du championnat hongrois qu'il a inscrit au bout de 19 secondes de jeu. Most már nem két gólt kellene szerezni a Flamurtarinak, hanem hármat, de erről már beszélni sem érdemes. Csámi! Il faut ajouter à ce but d'anthologie quelques belles statistiques, dont la moyenne de 25 buts qu'il aura disputés durant chacune des 3 saisons qu'il aura passées en Hongrie. Parallèlement, il figure sur le 11 type de la saison à 3 reprises et dispute 2 fois l'Europa League, où son équipe est d'ailleurs tombée face à l'Andy Makashkala de Samuel Etofis. Опасно. Очень опасно перед воротами один. Qualifié Hervé Chami aujourd'hui de talent précoce, c'est aussi un euphémisme quand on passe en revue les clichés des miracles qu'il a accomplis en Pologne dans les rangs de Pogoń Szczecin. Du plat du pied, de la tête sur reprise de volée ou sur coup franc, le natif de Bafan a fait mouche en Pologne dans toutes les positions, en cumulant aussi audace, vision de jeu, rapidité et puissance de frappe. Hervé Chami ressale aussi quelques belles aventures en sélection. Après avoir flirté avec les Lions cadets et juniors, il a fait ses débuts chez les Lions indomptables en 2013 à l'occasion du match amical contre la Tanzanie. Une évolution de carrière logique et rectiligne qui poursuit son ascension. Hát most már nem két gólt kellene szerezni a Flamurtarinak, hanem hármat, de erről már beszélni sem érdemes. Csámi hatalmas gólt rúg, oda ragasztja a labdát a jobb felső sarokba, és ezért minden dicséretet megérdemel. 2-0-ra.